Et bonsoir à tous. J'ai pas de voix. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Que vous n'êtes pas, contrairement à moi, malade. Mais quel merveilleux titre de live que voilà. Mais voilà, j'ai changé du coup, j'ai mis Nao Croft, Fail Rider. Ah, c'était pas mal. D'ailleurs, pas mal la vidéo sur la chaîne officielle Ankama. Ouais, j'ai vu qu'elle était sortie. Ta voix toute petite. Ouais, non mais là... Alors je vous explique, je vous avais dit hein, que je commençais à tomber plus ou moins malade. En tout cas, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas comme ça de vrai. Et bien, mon flair a parlé. Parce que du coup, mercredi, je me suis retrouvée dans l'incapacité de me lever. J'ai passé une nuit de merde, j'avais la tête serrée dans un étau, le nez bouché, les yeux qui coulaient. Donc je suis sous antibio, je suis sous Ventoline, Seretide, tout ce que tu veux pour dilater les bronches. Donc ça va un peu mieux, j'ai juste pas de voix et le nez abîmé à force de me moucher, mais ça va encore. Et pour l'instant il coule pas et tout, donc bientôt dans la tombe. Donc du coup c'est plutôt d'actualité. En plus je voulais me faire, je fais une petite tresse et tout pour être raccord dans le thème, le thème du sujet, tu vois. Ah, bon je pense qu'on va pas, que nous n'allons pas tarder plus longtemps, parce que j'ai vraiment grand hâte de commencer. Ou alors on papote un peu, parce que du coup ça fait quand même longtemps, parce que j'étais malade tout ça. Oh, il faut que je vous dise, j'ai envoyé aujourd'hui les colis, donc ça y est, mercredi, si tu as suivi pendant que je mourais, hein, la vidéo est sortie, c'est les joies de la programmation, donc la vidéo est sortie. Parlons du projet dont je vous cachais un petit peu, je vous avais dit que je travaillais sur un truc, mais je pouvais pas trop vous dire quoi, voilà. C'est sorti, sachez qu'on est à quelque chose genre comme 80 €, normalement, si les gens valident bien qu'ils ont reçu les colis dont déjà, donc c'est vachement bien. Et j'ai envoyé les colis aujourd'hui, j'ai mis une petite carte et tout pour ceux qui ont acheté. Et je suis super contente des retours qu'il y a eu sur cette vidéo, comme quoi les gens sont vraiment... Alors, le premier commentaire que j'ai vu sur cette vidéo, c'était sur Twitter. Un mec qui disait « Mais putaclic, ne cliquez pas quoi !» Pourquoi? Parce que le titre c'est « L'heure est venue de m'en séparer » avec un lien vers mon maillot Eclipsia. Bah si en fait je m'en sépare, ça y est il est vendu d'ailleurs, hein, il est parti aujourd'hui, donc voilà. C'était le premier truc sur lequel les gens ont cliqué pour l'acheter, j'aurais dû mettre plus cher. Mais du coup j'ai pas compris, si tu ne vas pas au bout de la vidéo, tu ne sais pas que si, c'est bien ce qui se passe dans la vidéo, du coup voilà. Je crois que c'est moi qui ai chopé tes microbes. Alors, via l'écran interposé, je ne suis pas sûre. Hein. Mais apparemment, c'est un virus qu'il y a dans l'air, dont je suis quasiment hein, la patiente zéro. Écoutez, mon médecin, il était là. Quand même, actuellement, j'ai plutôt des gens pour des renouvellements d'ordonnance et pas tant pour des urgences comme ça, quoi. Mais mon préféré avec ta voix petite que, comme moi maintenant, avoir marché 20 km et avoir mal aux pieds. Ah, 20 km. Ah ouais, détermination quand même, hein. J'ai un ragot du métro aujourd'hui pour toi. Enfin, du train, plutôt. Que s'est-il passé, Wax Sky Legend? Le monde rêve de le savoir. Par contre, je crois que mon truc qui veut dire « Hey, sur YouTube, coucou, je suis en ligne », eh ben, il ne veut pas se traiter. Le traitement est à 0%. Du coup, je suis en mode « Ben, du coup, elle veut pas se mettre en ligne, cette vidéo. » Donc, du coup, les gens de YouTube ne seront pas informés du live. Ceci étant, est-ce qu'on peut pas faire un petit post si je savais comment faire? Sûrement un coup de passe-partout dans le train. Tu crois qu'il y a des passe-partout aussi dans le train? Parce qu'on sait qu'ils sévissent dans le métro, mais dans le train, on n'est pas sûr. Comment je peux faire? Ça doit être un post ou quelque chose comme ça. En plus, je m'étais dit, il faudrait que je teste ça. Si je vais sur ma chaîne... Paramètres YouTube. Non, c'est pas ça. Je suis trompée. Creator Studio, peut-être. Coucou Shipman! Salut Colin Zenkosuke. Ça va mieux? Bah, hein? Donc j'ai pas été travailler depuis... Bah mardi, j'avais pris mon repos pour aller voir le banquier, tu sais. Et mercredi, jeudi et aujourd'hui, j'ai pas été travailler parce que... apparemment, je peux contaminer des gens. Tu fais comme si tu allais mettre une nouvelle vidéo. Ah, bien vu! Et je fais créer un post. Ah, parce que je me suis dit, plutôt que faire des petites vidéos à chaque fois, je pourrais faire un post, en fait, pour annoncer qu'on part. Ah, c'est bien ça. Et coucou. On part en live. Oui, je teste cette fonctionnalité.
plutôt que de faire une vidéo, même si je l'ai fait aussi, mais qu'elle est en traitement. Je vais mettre ça d'ailleurs, même si je l'ai fait aussi, mais qu'elle ne se traite elle ne se traite pas, voilà. Donc hop, est-ce qu'il faut, il vaut mieux ajouter une image, bien sûr, ça, pour que ça attire l'œil. Ah, quel manque de peau, je n'ai pas mis la bonne image de Snapchat. Parce qu'il y a le filtre renard, je sais pas si vous avez vu. Et ça c'est assez incroyable parce que c'est le filtre de Lana Horde, tu vois. Je pense qu'un post c'est mieux, mais fais attention, YouTube aime pas trop. Ah, mais si on peut plus, s'ils veulent pas qu'on fasse des vidéos, on peut pas faire de post. Ah. Je vais mettre quoi comme image? Qu'est-ce que j'ai de... j'ai toutes les photos qui ont servi. Ce que j'ai censuré d'ailleurs sur le site Vinted, c'est quand même ma tête. Il fallait. Qu'est-ce que je vais mettre? Faut pas trop que je rigole, parce qu'en fait, rigoler me fait tousser, et tousser me fait mourir. On en est là. J'ai pas de... Oh, attends, on va prendre une photo de Tomb Raider. Ouais, tellement c'est nous, c'est sûr. Lara Croft. On va faire ça. Comme ça, les gens ils vont se dire, waouh, trop bien et tout. Hey, je t'ai découvert il n'y a pas longtemps avec Nathalie, je t'adore déjà. Ah, il y a des trucs... Eh, franchement, il y a des cosplays. Ah, un petit cosplay Lara Croft, là. On fait ça? Allez, on fait ça, hein. Tu sais tout ce que je fais sur mon PC parce que tu entends tous les bruitages. Excellent. Voilà, je vais donc pouvoir mettre cette image dès à présent. Voilà. Bon là c'est pas cosplay, mais il en existe, hein. Tu ne veux pas de mon grog maison? Bah je sais pas c'est quoi. En vrai là j'ai eu le droit à chocolat chaud, miel, et franchement je pense que ça m'a aidé. Aussi j'ai pris un bain chaud. Et c'était tellement chaud que j'ai tellement transpiré que, à mon avis, j'ai éliminé la plupart des toxines de mon corps. Alors, qu'est-ce que c'était? J'ai raté, du coup. Et le deuxième, c'était un mec tout à l'heure encore qui s'est assis devant moi. Il me regardait étrangement. Il tousse sans fermer sa bouche. Du coup, j'ai pris tous ses microbes dans la figure. Ah, la première partie du message, j'ai plus dans le chat. Je monte dans les RRB. Je monte pour rentrer de ma journée de cours, programmation logicielle. Et j'ai eu deux cas spéciaux. Un mec qui me demande des pièces de 1€. Non, pas parce qu'il est en manque d'argent. Il demande la pièce pour jeter contre des barres sur lesquelles on se tient. Ah, c'est bizarre ça quand même, hein. Des gens bizarres. Alors moi j'ai vu une baston en allant déposer les... En allant chercher le jeu. Une baston dans l'île. Faut savoir que dans l'île il y a beaucoup de mendicité. Et du coup il y a tous les coins de rue, généralement il y a un mec qui demande du pognon. Donc quand je suis de bonne humeur je donne. Mais je donne généralement à ceux qui sont près de chez moi. Je vais pas aller donner à ceux du centre-ville. Parce que de toute façon, si je donne à tout le monde, à la fin, je peux. Bah, moi, j'ai plus rien, tu vois. Donc, on peut pas te donner. Je peux pas te donner à tout le monde non plus. Mais bon, je préfère donner quand il y a des animaux. Je me dis peut-être qu'avec un peu de chance, ils leur achèteront des croquettes. J'en sais rien. Enfin, bref. Et donc, bref, il y en avait un là qui était en milieu de la rue, comme ils font souvent. Ils se mettent vraiment en plein milieu du passage, tu vois. Et va savoir pourquoi. Il y a un mec qui s'est mis à le défoncer. Et j'ai pas trop compris. Et heureusement, il y a des gens qui sont intervenus pour les séparer, genre. Mais les punks à chiens. J'appellerais pas ça des punks, hein. Moi, des punks, c'est percé, c'est tatoué, ça a des coupes de cheveux embiliquées, tu vois. Là, c'est pas du tout ça, hein. Pour la plupart. Cette année, j'ai un cours de stratégie, je dois présenter celle d'Ankama. Ah. Eh ben, bon courage. D'accord, ben, bonne chance. Oui, je fais un petit arrêt sur image. Ben, je pensais que vous alliez rebondir, dire un truc, mais non, vous en foutez. Donc, c'est pas grave. Je vais boire de l'eau. Pourquoi on a mal aux yeux quand on boit de l'eau très froide et glacée? Alors, moi, j'ai pas mal aux yeux, j'ai mal à la tête tout court. Et ça fait un brain freeze, en fait. Naomi en erreur 404. Alors, comme je suis malade, forcément, je suis un petit peu ralentie, d'accord? Je peux tousser à tout moment, je vais chercher ma ventoline si ça dérape. Qu'est-ce qui se passe d'autre quand je suis malade? Ouais, je vais avoir plus de mal à comprendre. Je vais être globalement plus nulle que je ne le suis d'habitude. Mais bon, ça vous savez si vous me suivez déjà, c'est pas la première fois que je fais un live en étant malade. Le plus drôle, c'est que le mec qui jetait la pièce contre
contre la barre avec cette même pièce qui est retombée sur sa figure comme ça. On s'est foutu discrètement, mais t'as vraiment des gens bizarres dans ton train. Je change de stream, pas envie de l'attraper. Attraper qui? Ça peut te rassurer, les microbes ne s'attrapent pas hein, à travers les streams, c'est formidable. Hein. Perso, j'ai fêté la mise en prod du site sur lequel je bossais depuis 6 mois. Ah, enfin! Et hey, salut à toi, Radio! Ouais, je l'ai fait en anglais. J'avais envie. Ah. Eh bien, mes petits amis, nous sommes vendredi et je n'ai pas Dodge! Bon, j'ai une sale gueule et je serais bien dans mon plaid, mais tiens mon plaid! Là, je fais des yeux. Je ferais bien dans mon plaid. Mais les gens regardent. Oh, s'il te plaît. Après. J'ai plus mon 9-month sub. Bah alors, qu'est-ce que t'as foutu? Moi, pendant la route, j'ai vu un accident entre voiture et scooter juste devant mes yeux. Le scooter roulait pas vite. Il est rentré dans le devant de la voiture, rien de grave, mais le conducteur de la voiture s'est énervé, donc... Oh là là, on lui a cassé sa voiture. Oh, c'est incroyable. Axio Plaid. Oh, ce serait trop bien, t'imagines. Ah, et pouf, il t'arrive dans la main. Je vais essayer de vous éviter de vous casser les oreilles quand je... Quand je tousse, bien sûr. Alors, pour la petite histoire, pourquoi j'étais toute impatiente et tout de faire ce live? Parce que, donc, aujourd'hui, sort le jeu Shadow of Tomb Raider. J'ai pas joué à tous les Tomb Raider, mais dans l'ensemble, j'aime beaucoup cette licence. Pourquoi? Parce que le personnage de Lara Croft est assez emblématique de ma jeunesse. Je me suis longtemps... Enfin, tu vois, quand t'es adolescente et dans la construction, etc., tu te cherches des modèles, d'accord? Et moi, comme modèle, j'avais Lara Croft, les trois sœurs Halliwell de Charmed et Sydney Fox l'aventurière, qui se recoupent un peu avec Lara Croft, tu en conviendras. Mais voilà pourquoi... Je ne jure que par Lara Croft. Enfin, je me suis dit, il faut que... nous jouions à ce jeu. Et il faut que je le fasse en mode day one, genre je suis une meuf qui joue à des jeux d'actualité. D'ailleurs, il se pourrait que la semaine prochaine, nous jouons encore à des jeux day one. J'attends la confirmation. Cette fois, ce sera des jeux indépendants. J'ai jamais réussi à finir la Tomb Raider révélation finale à cause d'une mitrailleuse qui te crame le cul. Bah, j'espère que ça ira. Mais Sydney Fox sur M6, mais j'avais pris les DVD, s'il te plaît, tellement je suis fan. T'étais impatiente de faire ce live parce qu'on t'a manqué à vous. Aussi, bien sûr, tout ça, c'est un tout, comme on dit, bien sûr. Mais ouais, alors... Et puis bon, c'est comme ça la deuxième fois qu'on va pouvoir tester l'envergure de la PlayStation, sauf que cette fois, j'ai tourné ma télé, donc je vais être un peu comme ça pour jouer, je pense. Pour être un peu en face, quand même. J'ai le chat, j'ai le truc, donc on est bien. Hein. On va être vraiment pas mal. D'ailleurs, j'aurais besoin que vous me disiez si... Vous allez avoir la musique et tout, donc n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, mais du coup maintenant vous savez qui sont mes modèles féminins, et donc Lara Croft en est une. Parce que aussi quand j'étais jeune, bon, en plus d'avoir des gros boobs très jeunes, j'avais des cheveux excessivement longs, plus longs que ce que j'ai là, et en fait j'avais tout le temps une tresse, et du coup, j'étais surnommée Lara Croft quand j'étais jeune, avant d'avoir de l'acné. Quand l'acné est arrivé, ça a été la fin. C'était la fin des haricots. Ah, moi, mes modèles, c'était les mecs dans l'agence touristique. Ah ouais, c'est pas la même chose. Tu joues pas l'écran à l'envers? Non, pas du tout. Bon, je passais juste dire coucou et raconter ma vie. Bon stream, à la prochaine. Salut à toi. L'acné est toujours emmerdée aujourd'hui avec... Non, franchement, moi, l'acné... Arrêtez le coca, hein. L'arrêt du coca. Je n'ai plus de boutons. Je suis pas maquillée là. Donc, pas mal ou c'est pas mal? C'est pas mal. Moi, je trouve que l'arrêt du coca, franchement, c'est worse. Le coca, c'est la vie. Et ben, en fait, je ne suis plus d'accord. Je suis plus d'accord parce que si j'en bois aujourd'hui, je vais être malade. C'est ça le pire. Et j'ai essayé le traitement Roaccutane au lycée. En fait, je crois que les garçons, quand ils ont de l'acné, ils ont vraiment pas de chance parce que
vous avez pas de pilule en fait. Parce que nous les filles, on nous donne la pilule et globalement ça aide et ça passe. Même si la pilule aujourd'hui, je suis un petit peu sceptique par rapport à la pilule, moi honnêtement, en mode je pense que c'est de la cochonnerie en barre, tu vois, tout simplement, et que ça te dérègle. Dans l'idéal de l'idéal, bon, tu l'as bien compris, j'ai pas envie de faire un mini viking tout de suite, donc la pilule est donc nécessaire. Pourquoi tu rigoles? La pilule est donc nécessaire, mais en vrai, j'aimerais bien trouver une autre alternative à la pilule. Je t'en parle. Je t'en parle, c'est le moment où je te le dis. Parce que j'ai pas eu l'occasion de te le dire encore, j'aimerais bien arrêter la pilule un jour. Mais j'ai pas envie de faire de bébé tout de suite. Bon voilà, il était pas au courant, maintenant il sait. Ah putain. Oui, c'est bon, on a compris. La voix. Incoming. Non mais tu vois, moi je reviens à des valeurs saines, en tout cas j'essaye de prendre plus soin de moi, d'être plus à l'écoute de mon corps, et clairement la pilule c'est tout sauf naturel et bon, tu vois, donc bébé Ragnar, non je suis pas prête. J'ai regardé un reportage, bah, tu vois j'étais malade, donc Netflix peut te dire ça y est, hein, on a fini Désenchanté, j'ai regardé le film Lego, et surtout j'ai regardé le reportage sur les minimalistes, et j'ai trouvé ça génial. Depuis que j'ai vu ça, je suis en mode, mais moi aussi je veux habiter dans une mini maison, c'est les petites cabanes là dans la forêt limite. Où t'as juste ce dont tu as besoin. Bon, on y est presque, hein, en vrai. Parce que l'appartement fait à peu près la taille d'une mini-maison, tu vois. je sais pas juste où ils casent leurs enfants quand ils font ça, mais je trouverais ça trop cool. C'est le côté... t'as tout à portée de main. C'est un studio parisien, tu sais. Non, parce que là, en fait, le concept, c'est que tu le mets sur une remorque, tu mets ta maison sur une remorque, c'est pas tout à fait une caravane, ça a vraiment la gueule d'une maison, tu vois. Et tu peux voyager partout avec, enfin bref. Partir en Finlande, enfin bref, en ce moment, j'ai des envies d'aventure, d'ailleurs, et de renouer avec l'essence de mes origines celtes. Et Just Dance dans la mini-maison. Mais tu fais dehors, sur une terrasse. Encore mieux, face à la mer. Minimaliste, c'est que tu as le droit de vivre qu'avec 100 objets. Mais je... En fait, minimaliste, je pense que t'as pas besoin d'être dans un extrême, en mode, il me faut juste une cuillère, un bol, tout tient dans une valise, non. Mais effectivement, quand je regarde autour de moi, et en grande partie, j'ai commencé à le faire en faisant du tri dans ma garde-robe déjà pour commencer, mais après je vais faire les papiers, après je vais faire les bouquins, après je vais faire... Enfin, toutes les catégories d'objets vont y passer, et forcément je vais évacuer des trucs de chez moi, ça c'est sûr, parce que honnêtement, il y a plein de trucs ici qui ne servent à rien, clairement. Pourquoi on les a? Pourquoi on achète certains trucs? Et donc en fait, dans ce reportage, c'est bien parce qu'ils expliquent ouais, qu'on est vraiment dans une société de consommation, mais limite de surconsommation, où même les marques de fringues aujourd'hui font des collections. Genre avant, ils expliquaient qu'à l'époque des années 1960, vers là, 70, il y avait 4 saisons. Aujourd'hui, dans les magasins, il y a 52 nouvelles collections par an. On est bien loin des printemps, été, automne, hiver, quoi, tu vois. Donc si tu veux être à la pointe de la mode, en gros, tu passes ton temps à acheter des fringues et changer de fringues, ou à accumuler des fringues, bref. C'est... Même dans les fringues, maintenant, on est dans de la surconsommation, et honnêtement, ben on devrait pas. Tu vois, honnêtement, j'en suis là à me dire, ben, est-ce que je préfère pas avoir une pièce qui peut-être coûte un petit peu plus cher, mais qui reste un petit peu basique, et qui tient dans la durée, et surtout qu'on apprécie de mettre. Après, il y a une grosse partie du problème vient du fait que ton envie de vêtements, ton envie de nouveauté, d'un nouveau truc, vient du fait que tu vois d'autres personnes avoir. Tu vois, en fait, on a un peu un comportement de mouton, et c'est pour ça que les influenceurs marchent très bien, et c'est pour ça que les publicitaires ont rapidement compris l'importance de faire des placements de produits avec des influenceurs. C'est que du coup, tu le vois sur une personne que tu apprécies, à qui tu as envie de ressembler peut-être, ou que tu aspires
à vivre des aventures similaires, tu t'es dit, tiens, elle met ça, ah bah vas-y, moi aussi, je vais l'acheter, je vais lui ressembler un petit peu plus, comme ça, ou j'en sais rien. Et ça marche bien, tu vois. C'est quoi la classe préférée de Ragnar dans l'univers du Crosmos? Je sais pas. Spectateur, ça n'existe pas. Non, je sais pas ce qu'il jouerait, il a pas testé encore. J'aimerais bien te ressembler, Nao, mais j'ai pas de boobs. Y a pas besoin d'avoir des boobs pour me ressembler. Ça ne définit pas ma personne, je crois pas. Il y a plein d'autres trucs. Déjà, faut être roux. C'est la base. D'ailleurs, sympa la petite apparition de Raven dans la petite vidéo récapitulative de Ankama. Ben, moi, j'ai vu un commentaire qui disait que la nouvelle CM de Dofus ressemblait beaucoup à Konala. Et je savais pas comment je devais le prendre, en fait. Du coup, c'est bien ou c'est pas bien? Voilà. Surtout que je trouve que je lui ressemble pas spécialement, mais... Konala, c'était pas une community manager, elle était responsable marketing, elle, si je me trompe pas, quand elle était chez Ankama. Mais bon, c'était il y a longtemps. Elle est toute petite. Je sais pas si elle est pas plus petite que moi, ou qu'on fait approximativement la même taille. Oui, parce que moi, je viens de dire... Toi, t'es petit, ok? C'est moi qui dis ça, tu sais. Mais j'ai bien kiffé faire cette vidéo. Je passe tout à la fin de la vidéo, par contre, j'ai vu ça. Mais ça va, j'ai trouvé que mon intervention était plutôt cool, en mode... ça va, je lis pas un texte, mais en même temps je connais mon texte, tu vois, genre, ça passe. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Ouais, c'est vrai. C'est possible ça, Nao? Bah oui, il y a des gens plus petits que moi, c'est vrai. Salut, je viens de te suivre, mon premier live en compagnie, et bienvenue, Code Quiche. Quel pseudo. Ah, ça va être cool. Du coup, en vrai, ce que j'aurais fait probablement aujourd'hui, c'est que j'aurais travaillé, je serais rentrée du travail, j'aurais mangé, j'aurais lancé ensuite le jeu et on aurait pu traîner une partie de la nuit. Là déjà, je vais te dire, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Parce que déjà, à un moment, il va falloir que j'aille manger parce qu'il faut que je prenne mon traitement. C'est important, je suis sous antibiotiques, donc il faut absolument que je mange en prenant mon médicament, sinon c'est la foire des intestins, tu vois. Bah quoi, c'est vrai. Et donc ça, il faudrait que j'aille manger tout à l'heure. Et comme je suis globalement... Tu sais qu'on te voit. Comme je suis globalement un peu fatiguée, navrée. J'ai pas fait ma sieste, ok. Eh bien, je pense que j'arriverai pas à tenir autant déjà. Donc voilà. La foire des intestins, Ragnar apprécie. Non mais le pire... Non mais... Je te raconte pas dans quel état j'étais. Le pire, c'était mercredi. J'ai fait un malaise en sortant du bain. Genre, j'étais pas bien, mais du coup, j'ai senti que j'allais... tu vois, j'allais tourner de l'œil, genre vraiment. Et du coup, j'avais encore plein de savon et tout. Et genre, je suis sortie, je suis savonneuse. Je suis allée m'allonger dans le canapé et en levant les pieds, tu vois, en mode ah, je vais tourner de l'œil, tu vois. Du coup, il a dû m'aider à finir de me rincer, tu vois, à quel point on est rendu. Il a une handicapée à la maison. Ce moment où tu commences à avoir fou, entendre un vieux bruit sourd là. En fait, mes oreilles étaient carrément bouchées, tu vois, et je voyais des petits du blanc là. Et je fais oh là là, je vais vraiment pas bien là, je vais tomber, je vais me fendre le crâne contre le bord de la baignoire, ça va être sympa. L'apparition de Xialé est trop après. Mais surtout, si vous vous attendiez à voir Xialé avec les cheveux rouges comme à l'époque, ben non, maintenant elle est blonde. Malaise vagal, c'est chiant, ça m'est arrivé une fois en faisant du vélo. Bah pour le coup, j'ai juste fait un malaise, mais j'ai pas perdu connaissance, tu vois, genre... je me suis allongée à temps, j'ai levé les pieds, la tension est remontée et c'était reparti, tu vois. Mais oh, j'étais pas bien. Ça, c'était mercredi. Jeudi, c'était pas top. Mais ça vient, ça va de vieux en vieux. Ça, c'est des lapsus de type révélateur. Ça va de mieux en mieux, tu vois. J'avais peur que ça me fasse comme c'était au mois d'octobre dernier, tu vois. J'étais tombée malade. Et puis plus ça allait, pire c'était. Et là, en fait, elle m'a directement mis tout le traitement qu'elle m'avait mis l'an dernier à la même période. J'ai déjà la ventoline, j'ai déjà tous les trucs pour l'asthme, j'ai déjà tous les trucs pour la bronchite si ça dégénère, tu vois. Donc je suis bien. Nao, pendant un moment, tu as pu voir ce que c'était d'avoir le cerveau de Dewey dans Malcolm. Bonsoir, mamie Nao. Oh, laissez-moi. Salut, Aruxois. Bon, eh bien, je pense que nous allons pouvoir partir dans le jeu.
parce que ça va être énorme et que j'ai vraiment grand hâte d'essayer et que ça y est, ça fait un petit moment qu'on parle, donc je pense que le pré-live, les conditions du pré-live sont remplies, d'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons bien sûr éteindre la musique qui dit coucou. Voilà, c'est pas mal. Nous allons mettre le son ici. Est-ce que vous entendez ? Le son. Elle a tout prévu, même la tombe au cas où ça empire. Oui, super.